Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Vendredi, pour dire madame, nous avons un invité et nous serons très heureux de vous le faire découvrir ou redécouvrir. Monsieur Achille Aouma est avec nous également. Depuis la semaine dernière, nous traitons, nous voyons, nous parlons des maladresses de comportement. Des invités, direction commerciale et marketing, sont également nombreux. Il souhaite s'adresser à vous. De la variété qui ponctue ce magazine, et cette première transition, c'est Mr. Wanted, et M. Inge Santano est à la réalisation. Aïe, 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 aïe. Dédicacé comme ça à toutes les mères du monde entier. Et ma mère, maman Janine, c'est que j'aime Mancine. Pour toi, maman, ma number one, ma première femme. Pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Pour toi, maman, ma number one, ma première femme. Pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Pour toi, toujours je chanterai. Et je ne cesserai de te magnifier. Tu es celle que j'ai toujours aimé. Voilà pourquoi je ne voudrais jamais t'offenser. Femme d'ici, femme d'ailleurs, et celles qui n'ont jamais pu enfanter. Well, ne soyez pas, pas lésés. T'as pas ces chansons, vous êtes toutes concernées. Well, pour toi, maman, ma number one, ma première femme. Well, pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Pour toi, maman, ma number one, ma première femme. Well, pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Femme africaine, femme courageuse, toi qui as pu supporter mes caprices et mes envies fâcheuses. De ton beau sein, tu m'as nourri. Et voilà qu'aujourd'hui, le petit Stefano a grandi. Pour qu'y aller, sans toi, maman, pas possible. Pas possible, pas possible. Well, pour toi, maman, ma number one, ma première femme. Well, pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Pour toi, maman, ma number one, ma première femme. Well, pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Oh maman, je t'aime, t'es toujours pour moi la mère. Oh maman, je t'aime, t'es toujours pour moi la mère. Oh maman, je t'aime, t'es toujours pour moi la même. C'est qui m'a donné la vie. Oh 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 oh. Oh maman, je t'aime, t'es toujours pour moi la même. C'est qui m'a donné la vie. Oh 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 oh. Moi, fais-toi plaisir, qu'à toi donnez-moi envie. Moi, chanter pour toi toute la vie. Moi, fais-toi plaisir, qu'à toi donnez-moi envie. Moi, chanter pour toi toute la vie. Hey, I love you, mama. 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 Sometimes, sometimes, I love you, mama. Yeah, I love you, mama. I love you. I love you. I love you, mama. Pour toi, maman, ma number one. Well, pour toi, maman, ma number one. Well, pour toi, maman, ma number one. Ma première femme, well, pour toi, maman, et y'a tant de toi, toutes les autres mamans. Il s'appelle Pitché Lumwana. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir dans le cadre de Diamana. Oui, oui. Alors, si vous deviez parler de vous en quelques phrases, ce seraient lesquelles? Juste dire que je suis un artiste, chanteur, chorégraphe et metteur en scène. Et je fais de la variété coupée décalée. D'accord. Donc, ce que l'on va faire pour les personnes qui ne vous connaissent pas, oui, oui. Avant de parler amplement, on va avoir un extrait donc d'une... de vos prestations. Ivermix DJ.
de que sauce graine. Alors, j'ai bien entendu Acheke sauce graine. Oui, oui. Bon, d'abord, communément, c'est plus avec du riz. Hein? Et puis, deuxièmement, pourquoi parler d'Acheke de sauce graine? Parce que Acheke sauce graine, d'abord, comme je le disais, c'est mon plat préféré. Okay. Et l'Acheke sauce graine, pour moi, est un plat de réjouissance que je mange un peu dans les grandes cérémonies. Mm-hmm. Et au fait, ça dit, tout le monde qui vient d'ailleurs peut consommer. Attaquer sauce graine. Je veux parler un peu de la paix et autres. Voilà. C'est pourquoi je dis non, que je ne peux pas changer. Mmh. Changeons. Ah, d'accord. Okay. et parmi les. J'ai oublié son nom, celui qui joue le rôle du fou. Hein. Le marabout. Là, c'est marabout. Le marabout. Okay. Ah, ok. Ouais, moi, je suis le féticheur du marabout. Vous êtes le féticheur du marabout, l'autre, c'est le marabout. Moi, je suis le féticheur du marabout. C'est-à-dire que le marabout. C'est votre petit. Ouais. C'est-à-dire que moi. On m'a amené à l'hôpital. Mm-hmm. Je ne change pas. Mm-hmm. Je ne peux pas changer. Ça dit on ne peut pas me soigner. Donc, on m'a amené chez le marabout. Mm-hmm. Quand j'ai vu le marabout, j'ai dit, moi-même, je suis son féticheur. Eh ben. Ouais. Alors, je suppose que ça a été bien accepté, que c'est un morceau qui, actuellement, est à la mode. Oui, oui, il y a un morceau qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mm-hmm. qui, par la grâce de Dieu, qui avance. Qui avance par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, vous pitchez Lumwana, 12 ans dans la musique, 8 singles déjà ? 8 singles, oui, 8 singles. Mm-hmm. 8 singles. Bientôt, je vais associer les 8 singles pour faire un album. Mm-hmm. Un album. D'accord. Très bien. Et quelle adresse vous auriez aimé donner à votre public ? Et seulement dire, je vais dire à mon public que je suis un artiste. Et c'est maintenant que je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin et qu'ils acceptent DJ Piché Lumwana qui veut dire petit chéri, Piché qui veut dire petit chéri. Mm-hmm. Et en tout cas, qu'ils acceptent en tant que les autres artistes. D'accord. Voilà. Okay. Dans le milieu showbiz. Dans le milieu du showbiz, oui. D'accord. J'espère que votre appel aura été entendu. En tout cas, merci pour ce passage dans l'émission. Oui, merci madame. Merci à vous. Okay, merci bien. Vous connaissez Acheke sauce graine, Monsieur Toumba Jean-Jacques et Madame Alain Maïté? Pas encore. On vient de découvrir la Côte d'Ivoire. Exactement. C'est la première fois en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Très bien. Alors vous nous parlez du concours mannequin élite. Tout à fait. Qui est un concours de renommée internationale et ce depuis des décennies. Exactement. Mm-hmm. Le concours Elite Model Luxe, c'est un concours de mannequins qui a commencé il y a plus de 30 ans, mm-hmm. qui a découvert des top modèles comme Cindy Crawford, Gisèle mm-hmm. Bündchen, Sigrid Agren, mm-hmm. Cora Emmanuel et beaucoup d'autres. Mm-hmm. Et on l'organise cette année en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Congo-Brazzaville. Il a déjà lieu dans plus de 60 pays dans le monde. Et c'est la première fois en Afrique subsaharienne ? Non, ça y a déjà eu des éditions précédentes au Sénégal notamment, et l'Angola et le Nigeria ont déjà leur propre édition. Mm-hmm. Mais cette année, le but était vraiment de créer un concours Elite Model Look Central and West Africa, mm-hmm. qui rassemble ces trois pays, donc le Sénégal, la République du Congo et la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Où on fait des castings dans les trois pays, mm-hmm. et à la fin, la finale se passe en Côte d'Ivoire à Abidjan. D'accord.
Alors, ce don, on a déjà entendu parler, et ce qu'on a pu voir, c'est que d'abord, Elite, c'est une structure prestigieuse. On voit beaucoup de mannequins à la une, donc ce sont à la une des journaux qui ont une renommée mondiale. Tout à fait. Également, elles ont une carrière florissante. Donc ça veut dire que le creuset que vous allez pouvoir avoir ici en Côte d'Ivoire, elles ont la garantie d'avoir une carrière internationale. La garantie, on ne va pas donner de garantie parce que, bon, en fait, le truc, c'est que comme c'est un concours, il y a énormément de filles qui se présentent et de là, on fait une sélection. Donc c'est une sélection d'abord nationale et de là, toutes les gagnantes nationales vont au concours international qui se passe à Shanghai. Et de là, il y a le concours international. Et donc là, il y a au moins toutes les filles de casting élite du monde entier qui vont se représenter. Il y a au moins 80 à 100 filles qui se présentent. Et donc voilà, et de là, il en sort qu'une pour qui a le contrat élite, quoi. Voilà, mais le but vraiment, c'est que nous, on puisse emmener les filles à la finale monde. Mmh. À cette finale monde, il y a les 15 premières filles qui ont un contrat de 3 ans avec l'agence élite signé. Voilà, donc c'est vraiment un concours professionnalisant. C'est pas un concours de beauté, c'est un concours de mannequins. C'est pour inviter les jeunes filles à rentrer dans ce milieu et en faire leur métier et à les lancer dans ce milieu. Mais comme l'expliquait Jean-Jacques, on peut pas promettre à toutes les filles qu'elles vont devenir la prochaine top modèle. D'accord, très bien. C'est pas un concours de beauté, c'est un concours de mannequin. Mais tout pour à être fait. Mannequin, il faut être belle. Oui, bien sûr qu'il faut être belle. Mais ce qu'on veut dire, c'est que dans les concours de beauté, il n'y a pas forcément d'enjeu professionnel. Très bien. Là, le but, c'est vraiment de les faire signer avec l'agence élite. Évidemment, si tout se passe bien et qu'elles en fassent leur métier comme beaucoup d'autres top modèles avant elles. Et là, la différence par rapport à un concours de beauté, bon ben voilà, tu es belle, ok, ça va, tu passes. Mais bon, le concours élite, tu es belle, mais bon, tu n'es pas sûr de passer parce que tu dois faire partie des critères élite et faire partie des tendances du moment. Parce que si tu fais partie des tendances du moment, tu peux être belle. Et voilà. Mm-hmm. Parce que ces filles travaillent dans le monde entier, donc bon, voilà. D'accord. Très bien. Alors, je voulais vous demander, Keïta m'a un peu distraite là. On a vu. Vous avez vu. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est, elles vont forcément partir de la Côte d'Ivoire en fait, parce que pour avoir la carrière, il faut partir. C'est-à-dire, celles qui vont être retenues vont partir, s'installer ailleurs. Alors, la finale a lieu à Abidjan avec 5 finalistes. Congolais, 5 finalistes sénégalais, 5 finalistes ivoiriennes. Mmh. Et la finaliste ira de toute façon à la finale monde. Mmh. Après, il n'y a pas d'agence élite encore en Côte d'Ivoire. Donc si elle fait partie des 15 finalistes et qu'elle signe avec élite, elle peut signer dans différentes agences dans le monde, mais pas forcément en Côte d'Ivoire. D'accord. Après, c'est un métier qui invite de toute façon beaucoup à voyager. D'accord. Donc voilà. Très bien. Quels sont les critères de recrutement ? Et comme je vous ai dit, les critères, c'est que bon, elle doit minimum mesurer 1m75. De 15 à 72 pardon. Mm-hmm. De 15 à 22 ans. Mm-hmm. De 15 à 22 ans. De 15 à 22 ans pour les filles. Mm-hmm. Et faire partie et avoir avoir le critère élite, quoi. Tout à fait. Ça veut dire quoi, le critère élite, c'est on va dire, c'est faire partie des tendances du moment, par exemple, parce que voilà, ils font des shootings photos, ils font des défilés, ils font tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une agence internationale, donc c'est mondial. D'accord. Donc, elle tourne dans le monde entier. Donc, automatiquement, voilà, elle doit faire partie des tendances du moment. D'accord. Noir, clair, métisse, peu importe. Du moment qu'elle dit, OK, elle fait partie du critère élite. C'est bon. De toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de top noirs sur les podiums. Mmh. Et donc, c'est une tendance aussi qui est importante. Mmh. Les gens sont de plus en plus en demande. Mmh. Et donc, on vient en Afrique aussi parce qu'il y a une demande et qu'on veut offrir aux filles une possibilité de plonger dans le milieu de la mode, justement. D'accord. Ici, le casting aura lieu où donc ? Est-ce que c'est payant ? C'est gratuit ? Alors, le casting est gratuit. Donc, il est ouvert à toutes les filles entre 14 et 22 ans, mais les mineurs doivent avoir une autorisation parentale et venir accompagner leurs parents, absolument. Et le premier casting a lieu demain à Cap-Nord, à partir de 13h, de 13h à 17h. Toutes les jeunes filles entre 14 et 22 ans qui mesurent plus d'un mètre 72 peuvent se présenter. Très bien. Et c'est gratuit. D'accord. Voilà. Votre mot de fin, s'il vous plaît ? Le mot de la fin.
C'est Maïté qui dira le mot de la fin, n'est-ce pas? Non, on invite vraiment toutes les jeunes filles à se présenter. Il ne faut pas déjà être mannequin. C'est un concours justement qui est ouvert aux débutantes. On ne demande pas à ce que les filles fassent déjà partie du milieu de la mode, au contraire. Donc on vous invite à vous présenter. Ah d'accord, donc si elles sont déjà dans le milieu de la mode, c'est pas la peine. Si, elles peuvent venir aussi, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut vraiment pas être mannequin confirmé pour participer. D'accord. Il faut juste venir le plus naturel possible, pas de maquillage, habillé très simplement. Et se présenter au concours élite parce qu'on juge sur la beauté naturelle de toute façon. Voilà. Très bien. Et venez nombreuses. Des téléphones, On a laissé notre numéro de téléphone. On a un téléphone ici, le 54. Voilà. 51 95 35. On tout reprend. À fait. Voilà. Le 54 51 95 35. Tout à fait. Merci à vous. Curiosité, quel est votre titre au groupe, dans le groupe élite? En fait, donc Jean-Jacques s'occupe depuis un moment déjà des concours dans d'autres pays, des concours élites. Je travaille avec la Belgique, Luxembourg, le Maroc. D'accord. Qui ont déjà les concours élites depuis 6 ou 7 ans. Ouais. Et on vient de reprendre du coup les licences pour les pays africains. Donc c'est nous qui nous occupons du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Nous avons une courte pause musicale et nous recevons nos invités. Hommage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Djalo Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé. Tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua. Tu m'as promis le voyage. Papa est. Santé. Papa, papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse. Tu as promis la paix au monde entier. Dans mon foyer, cette année-là, ça va se réaliser. Dans mon travail, cette année-là. Papa, papa, tu m'as promis la réussite. Papa, papa, tu m'as promis le succès. Seigneur, je veux rouler dans de belles voitures. Je veux dormir dans villa haut. Seigneur, je veux connaître Paris haut. Je veux faire escale à Londres, transiter à ma mairie, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, annoncer ton évangile. Je vais connaître l'Amérique, je vais parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Je vais connaître Gabon, Ali Bongo, Dimba et lui annoncer ton évangile. Yeshua, Boukanio, Jéhovah, Bladé. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Nazo & Co. C'est une compagnie de danse basée aux États-Unis qui a été créée en 2008 par un chorégraphe et une actrice. Et ces personnes sont avec nous. Il s'agit de Madame Honorine Orso. Madame, bonjour. Bonjour. Et de Monsieur Olivier Naï. Monsieur, bonjour. Bonjour. Il se trouve également qu'il y a 23 Américains, oui, passionnés de danse africaine et puis qui souhaitent se rapprocher de leurs origines. Voilà. Et vous êtes venus avec deux d'entre, oui, ces 23 personnes. Oui. Il s'agit donc de Mme Corrie Smith, bonjour madame, et de Mme Jackie Daly. Bonjour. Je me tais. On vous écoute parler maintenant.
pause. Ok. Mm-hmm. Effectivement, nous sommes arrivés depuis le 15 mai. Nous sommes une groupe de un groupe de danse basé aux États-Unis et nous faisons la promotion de la culture ivoirienne. Mm-hmm. Nous apprenons à ces Américaines à danser, à chanter dans nos langues locales. Mm-hmm. Donc elles arrivent à chanter en dida, en baoulé, elles chantent en dioula et bien d'autres. D'accord. Et nous sommes installés là-bas depuis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2008 nous avons créé ce groupe, mais nous sommes installés là-bas depuis 1999. Wow. Mm-hmm. Et nous avons participé à plusieurs festivals de la place. Mm-hmm. On a même été invité à la deuxième investiture du président Obama. C'est le seul groupe africain, et je veux dire, qui a représenté toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Yeah. D'accord. Et vous, M. Olivier, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? En fait, ça fait un grand plaisir de revenir à la maison, chez soi, et d'apporter... Ça fait combien d'années d'absence? Ça fait quand même depuis 2008 que nous sommes arrivés. Mais bien avant ça, on est installé depuis 1997 aux États-Unis. Et ça fait un grand plaisir d'amener ces Américaines-là. Nous avons 59 dans notre compagnie, mais on a décidé d'envoyer seulement que 8 personnes pour venir nous prendre un peu de racines ici et de retourner et envoyer le message à d'autres Américaines qui veulent retourner à leur source d'origine. Très bien. Alors, on est en train de discuter avec nos invités parce que vous êtes chez vous. Oui. Donc, on les reçoit. Oui. So, thank you for being with us today. Is it the first time in Côte d'Ivoire, surely, I think? Yes. Première fois que vous venez en Côte d'Ivoire? Oui. So, how do you feel it? There's no words. There are no words that can describe pour décrire how I'm feeling. Comment c'est ce qu'elle ressent. How the whole group is feeling. We have been received so well. Le groupe a été tellement bien. Everywhere we went. Partout où ils sont passés. We feel so much love from everyone and we are just very, 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 very happy to be here and want to come back again. Elles ont reçu beaucoup d'amour de tout le monde. Elles sont tellement contentes d'être là et aimeraient bien sûr revenir. Yes. And you, what would you like to say? The first thing I'd like to say is Nazu and Company is more than a dance company. I would like to refer to it as a dance family. Alors, le groupe Nazu et Compagnie est plus qu'un groupe de danse, c'est une famille. And within our family, we have it's intergenerational. Mm-hmm. Il y a plusieurs générations dans cette famille. From the elders to the little ones. Aux plus jeunes. Jeremiah. Pardon? To the little one as young as Jeremiah. D'accord. Yes. Donc, il y a de très jeunes aussi. Oui, le bébé qui des s'appelle Jeremiah, qui fait partie de la compagnie. D'accord. Et le Benjamin. La plus âgée de la compagnie a près de 80 ans. 80 ans. Yeah. Mm-hmm. On n'a pas voulu venir avec elle, vous savez, mais... parce que 80 ans, c'est... Et vous allez lui rapporter les images. Voilà. C'est ça. Justement. Alors, vous revenez en Côte d'Ivoire, donc ça veut dire que vous revenez aux sources. So you are back to your roots. Yes. So, what sensation do you have? The sensation that I have is that our smaller family has reunited with our larger family here in Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Donc le sentiment qu'elle a, c'est qu'elle se retrouve en famille. Oui. Ici, la petite famille a retrouvé la grande famille ici en Côte d'Ivoire. When families come together, they rejoice and they celebrate. Mm-hmm. Les familles vont se retrouver, la joie, et puis elles vont célébrer cela. Mm-hmm. And so that's what I've experienced here. C'est a big celebration. Une grande fête, une grande célébration. What I've experienced is a big celebration as well from Évidemment. The time that we received at the Abidjan Airport. Mm-hmm. Mm-hmm. Big celebration every day. Mm-hmm. We've been fed well. We slept well. Elles ont été bien nourries. Elles ont bien dormi. We've been able to, you know, meet the people we need to meet. Elles ont rencontré toutes les personnes qu'elles souhaitaient rencontrer. Everything has been going exceptionally well. Tout est allé merveilleusement bien. And yes. Mm-hmm. Je voudrais ajouter, quand elle parle d'elles ont rencontré toutes les personnes, mm-hmm. elle voulait voir les parents du village. Mm-hmm. Et nous sommes allés à Mankono, mm-hmm. et c'est ce qu'elles ont vu, elles ont expérimenté cette chaleur mm-hmm. fraternelle, ce qu'elles elles n'ont jamais vu, elles ont expérimenté cela. En fait, c'est ce qui les a plus marquées. D'accord. Mm-hmm. But what were you expecting coming in Africa and Côte d'Ivoire? À quoi vous attendiez en venant ici en Côte d'Ivoire? Well, for me, you know, we've been, when you haven't visited a place, you pour only can go. On n'a pas encore visité un endroit. You can only go by what you hear. Vous ne pouvez vous fier qu'à ce que vous entendez. Or what you see. Ou bien ce que vous voyez. Or what some, you know, the TV shows you. Ou bien ce que les images, la télé montrent. What we have experienced has been like
so much more than what we saw. D'accord, donc la réalité a été tellement plus. Ça allait au-delà de ce qu'elle pensait, ce qu'elle imaginait. My brain, my mind is not processed at all. Ok, alors son esprit n'est pas du tout formaté. I'm going to wait till I go home because the emotions they're trying to come forth. Mm-hmm. If the emotions come out, I might be no good for the trip. Donc elle va garder tout ce qu'elle a ressenti pour l'extérioriser une fois qu'elle sera de retour, sinon elle sera pas opérationnelle ici. I'm ready to go back and give the news. Ah, elle est prête à retourner et donner les nouvelles. With water first. Avec de l'eau d'abord. Donc elle a appris la coutume. To our big, you know, family back mm-hmm. in America that is waiting for us to come back and share the news with them. And I have already got some plans here. La grande famille les attend aux États-Unis pour avoir justement les nouvelles. There are no words. I mean, it's just so much. It's just been c'est so tellement, c'est sensational. Il y a beaucoup d'émotions yes. également dans tout cela. Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire avant qu'on vous laisse partir? Ok. Moi, je voudrais dire merci d'abord à la RTI qui a accepté de nous recevoir sur le plateau. Mm-hmm. Et puis, dire que nous sommes enfin très heureux d'être parmi vous, mm-hmm. parmi nos frères, parce que c'est beau d'être à l'étranger, mais on dit bien, on est toujours bien chez soi, on est très heureux d'être parmi nos parents. Mm-hmm. Et aussi de faire découvrir à ces Américains qui avaient une autre image de l'Afrique. Mm-hmm. À travers la Côte d'Ivoire, nous avons fait découvrir que ce que les gens pensaient, de l'Afrique, ce n'est pas ça. C'est pas du tout ça. Voilà. On ne se balade pas sur des cordes. Voilà. Je voulais en profiter pour dire merci à Whatever Leaking qui m'a mm-hmm. formé, Boumou Mamadou, Abou Bassa. Wow. Et je viens d'une grande école du King Ibok mm-hmm. et c'est ce que je suis en train de transmettre là-bas mm-hmm. aux États-Unis. Et merci à eux de m'avoir formé. Et sans oublier de dire merci au président de la région du Mankono, mm-hmm. C'est lui qui a tenu à nous recevoir chez lui. Et c'est ce qui a marqué plus nos frères. Nous sommes des frères parce qu'on les a baptisés là-bas. Ah, okay. Ils sont des sœurs et frères de la ville, de la région du Béré. Donc nous voulons dire merci au président Je vais leur demander. Voilà. Oui. So, here in Côte d'Ivoire, how do we call you? Fofana Fatou. Ok, donc elle est baptisée Fofana Fatou. Ouais. Mais on parle bien de Cory Smith, qui est Fofana Fatou. Maintenant. And you? Dossé Panonoto. Dossé? Dossé Panonoto. Comment? Fano Dodo. Fano Dodo Dossé. Dossé. Wow, d'accord. Et c'est Jacques qui délire en fait. Yeah. So what would you like to say to end our interview? Qu'est-ce que j'aimerais dire pour clore l'entretien? Okay. What I would like to say is that there has been just a wonderful communication, and the communication was through love. Il y a eu une merveilleuse communication, ça s'est fait à travers l'amour. And so I'm thankful to be received so very well by everyone. Elle est reconnaissante d'avoir été reçue aussi bien par tout le monde. And I plan to take home the love that I was given here to others to share. Elle a pour objectif de repartir avec l'amour qu'elle a reçu ici pour aller partager avec les autres là-bas. Voilà. Merci beaucoup, c'est joli. Mm-hmm. What I would like to say as well is thank you very much. The project Back to Our Roots we've been working on for many years. This is like we're walking in a dream come Alors, true. C'est comme si elle ressentait que c'était un rêve qui se réalise parce que c'est une initiative qui a été initiée, selon moi, l'occasion de dire depuis longtemps. Oui. Et c'est l'aboutissement aujourd'hui. To connect, to reconnect back to our family, that was the purpose. That Naizu and Honorine and the company was to teach us the culture, our culture that we yearn for, and to get us ready to come back to present us to our family. And it has been more than what I expected. C'est au-delà de ce qu'elle souhaitait, le retour aux sources, oui, cette connexion que vous avez mûrie, réalisée, et elle est heureuse. Okay. Nous n'allons pas terminer sans dire un grand merci à notre manager général, Kenyami Edorset, Audi et Elisabeth Orso. C'est grâce à cette grande dame, Nyami Edorset, que nous sommes arrivés ici. D'accord. Et nous disons merci à notre big grand manager, et Audi et Elisabeth Orso aussi. Très bien. Merci. En tout cas, merci à vous tous. Merci pour ce merveilleux travail. Merci. Et merci de nous ramener nos soeurs. Oui. So I was just thanking them to bring back home
Yes. People like you. Thank you very much. Merci. Thank you for receiving us so well. Merci Edmond, merci pour les retraites aussi bien. Voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Une courte pause musicale, mais Achille Ouma est avec nous. Écoutez ça. El por favor, Yorobo. Featuring Ariel Chine. C'est Chine qui a fait le son. Laissez-moi le blou, laissez-moi le blou. Yamadala, blou, laissez-moi le blou. C'est pas le noir, blou, laissez-moi le blou. Yamadébé, le blou, laissez-moi le blou. J'ai besoin du blou, laissez-moi le blou. Yamadébé, le laissez-moi le blou. Laissez-moi le blou, laissez-moi le blou. Talamadébé, le laissez-moi. Franck Crésus. Chérie Coco, pardon, faut m'excuser. Je t'ai invité, tu n'as pas refusé. J'ai payé pour les chamages. J'ai payé boisson, tu as bu. Mais comme je t'ai dit, alors c'est plus content. Tu m'as dit, tu t'en vas à la maison. Ok, tu peux t'en aller, mais pardon, pardon, laisse-moi le blou. Laissez-moi le blou. Yamadébé, DJ Brunel. Laissez-moi le blou. Laissez-moi le blou. J'ai besoin de ça. Laissez-moi le blou. DJ Longue Longue. Akama Agwima. Mano Parker. Maso Paketi Ma. Pako Pako. Samano Waklo. Ariel Echele Adala Kouya Kouba. Sima Gano Palu Gawe Gawe Biyo Gama Golowege. Nyewo Mana Mazu Zekwe Uaka. Fan Chebaluwe. Chebaluwe. Fan Chebaluwe. Laissez-moi ça. Fan Chebaluwe. Fan Chebaluwe. Ayash Le Blanc. Monsieur Achille Ouma est avec nous. Nous parlons depuis la semaine dernière des maladresses de comportement. Monsieur Ouma, bonjour. Bonjour, Marianne. On va reprendre les différents points que l'on a vus et tenter de conclure avec les points d'aujourd'hui. D'accord. Mm-hmm. Alors, j'avais dit la semaine dernière, le premier point, ça dit que lorsque vous êtes invité quelque part et que vous amenez avec vous d'autres personnes, c'était une maladresse de comportement, mm-hmm. sans avoir au préalable prévenu celui qui vous a invité. Mm-hmm. Ça, c'était le premier point. Mm-hmm. En deuxième point, vous remettez l'argent de la popote à la servante, alors que madame est là. Mm-hmm. Alors, ça, c'est encore une autre maladresse qu'il faut donner à madame. Et c'est madame qui doit s'occuper de la servante ensuite. Mm-hmm. Le troisième point, votre ami vient vous rendre visite et doit rentrer en taxi. Vous allez jusqu'au taxi, c'est là que vous allez lui donner l'argent. Son argent de transport. Voilà, c'est que vous devez le remettre. Vous devez remettre cet argent-là quand vous êtes encore en chambre, à la maison, mm-hmm. tranquillement, pour ne pas qu'elle soit frustrée. Parce que j'ai remarqué que les femmes n'aiment pas beaucoup cela. Mm-hmm. D'accord. Un autre point, vous vous permettez, par exemple, de fouiner dans le téléphone portable de l'autre. Mm-hmm. Voilà. C'est une maladresse. Parce que ce que vous découvrez, qu'est-ce que vous en faites après? Voilà. Et ça, c'est là que moi, je dis, tu peux fouiller mon téléphone portable. Mais après, tu ne poses pas de questions. Voilà, pas de questions. D'accord. Alors, l'autre chose aussi, c'est de faire des remontrances à son conjoint hein, ou à sa conjointe devant des personnes extérieures. Mmh. Voilà. Ou même devant la belle famille, ce n'est pas bien. Il faut pouvoir se contenir jusqu'à faire ces remontrances quand vous serez à deux. Voilà. Très bien. Quand vous serez à deux. Aussi, il y a le fait qu'il faut savoir écouter l'autre. Quand il y a des discussions, il y a des problèmes, il faut vraiment prendre le temps d'écouter l'autre jusqu'à ce qu'il ait fini ses argumentations avant de donner les vôtres. Mmh. Ce n'est pas à peine de couper les gens pour dire « Je sais ce que tu veux dire. » Voilà, il faut ce que tu veux dire déjà. Prendre le temps d'écouter l'autre, mmh. qu'il aille jusqu'au bout avant de donner aussi vos arguments. Peut-être même que ce qu'il, dans ce qu'il va dire, vous trouverez des choses qui vont vous réconforter. Mmh. Voilà. Tu vois, l'Ivoirien, elle me dit, je ne te coupe pas. Hein. Alors qu'il t'a coupé. Ouais. Alors qu'il t'a coupé. Mmh. Alors, tout ce qui se passe dans le foyer aussi, il n'est pas bon d'aller le dire à la belle famille. Il y a des personnes, tout ce que tu veux faire dans le foyer, vont raconter à leur maman. Mmh. Voilà. Ce n'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut, sur lesquelles on peut passer. Mm-hmm. Mais si un parent l'apprend, ça devient difficile. Parce qu'il me dit, ah, moi, mon fils, on ne lui fait pas ça. Mm-hmm. Ah, moi, ma fille, on ne lui fait pas ça. Mm-hmm. Oh, il y a des choses, vous deux, vous êtes à la maison, mais vous marchez sur le pied de votre épouse, chérie, excuse-moi, c'est fini. Vous voilà. Ça une tierce personne, là, ils vont dramatiser mm-hmm. celui-là. C'est un mouton à la maison. Mm-hmm. Voilà, on lui fait tout, dit rien. Mm-hmm. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, les femmes aussi, quand vous êtes en désaccord avec votre conjoint, il y en a qui ramassent toutes les affaires et elles s'en vont. Oui, ça c'est,
c'est pas bien. Là, vous prenez juste le baluchon, de quoi faire votre toilette, laissez tout le reste là. Vous donnez une chance de revenir. Sur la souprise, c'est difficile de revenir avec le bagage après. Ah, c'est très difficile. C'est même compliqué. Vaut mieux prendre juste la brosse à dents. Voilà, quelques petites affaires. Bon, quand le gars il revient, il voit qu'il y a des affaires qui sont là. La nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Et le gars voit qu'il y a quelques affaires qui sont là. Bon, on peut encore rattraper la chose. Elle peut revenir. Mm-hmm. Mais quand vous avez tout pris pour revenir, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Bon, aujourd'hui, nous allons voir d'autres choses où, par exemple, vous croisez une jeune femme pour la première fois et vous allez demander à aller coucher avec elle. Mmh. Ou alors, on allait manger et puis après la nourriture, on va aller se reposer. Mmh. Ça, c'est maladroit. En tout cas. Voilà, c'est maladroit. Mmh. Et même si la femme accepte, elle aussi, de son côté, c'est maladroit, ça part. Mmh. Parce qu'on la trouvera des femmes légères après. Ça, c'est pas intéressant. Mmh. C'est pas bon. D'autres aussi croient une jeune femme pour la première fois, c'est pas parce qu'on est sorti, aller soit en boîte ou on est parti dans un bar climatisé, ils vont se permettre de la toucher de partout. Mm-hmm. Alors que c'est la première fois que vous vous rencontrez, même la deuxième fois, même. Hein, il faut baffe s'impose. Il faut savoir garder ses distances et se donner une chance d'abord d'être apprécié de l'autre. Mm-hmm. Voilà, il faut se faire apprécier de l'autre pour rentrer dans son rayonnement, dans son aura, comme on dit chez nous. Et à partir de là, quand vous êtes accepté dans l'aura de l'autre, tout va se passer très bien. Tout va venir naturellement. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai dit aussi que vous vivez ensemble, et puis un soir, l'un d'eux arrive à découcher. Mm-hmm. Et puis, jusqu'au lendemain, il vient, il rentre. Qu'est-ce que vous faites? Mm-hmm. Alors, la première chose que les gens font souvent, pourquoi tu as découché? Où tu étais? À toutes ces questions, évidemment, l'autre te dépasse, et puis il rentre se coucher sans réponse. Mm-hmm. La meilleure façon, c'est de se dire, oh, mais je m'inquiétais pour toi. Tu es arrivé, Dieu merci. Ah ouais. Le faire reposer, c'est après coup, s'il ne dit rien, pendant une heure, deux heures, après même jusqu'au soir, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, ça c'est plus commode. Mm-hmm. C'est pas la peine de se jeter sur lui pour dire pourquoi tu viens à cette heure, on va se battre. Voilà. Tout ça, ça sert à rien. Vous lui donnez même l'occasion de se justifier et de dire n'importe quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, du calme, tranquille. Toujours aller à l'apaisement. À l'apaisement. Voilà. Et soyez heureux, content qu'il soit là. Parce qu'il aurait pu ne pas revenir. Il aurait pu ne pas. Voilà. Ou alors. Mm-hmm.